devient possible, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Ici, c'est une question de foi. Or, le juste que nous sommes, nous vivons par la foi. Ce qui fait vivre le juste, c'est sa foi. Amen. 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 Vous savez, ta foi peut changer tout. Ce que Dieu va regarder pour t'exaucer, c'est ta foi. Ce n'est pas ta prière. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas foi en Dieu. Au niveau de la croyance humaine, c'est vraiment, ce n'est plus la foi. C'est pour ça que, bien aimé, l'endroit où ce qui est impossible devient possible, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Si tu déclares que l'épidémie ne pourra pas arranger chez toi, ça ne rentrera pas chez toi. Amen. Nous avons la clé du royaume, nous dit la parole de Dieu. Tout ce que nous déclarons sur cette terre, tout ce que nous permettons sur cette terre sera permis dans les cieux. Amen. Or, les cieux, c'est le monde spirituel. Tout ce que nous ne permettrons pas sur cette terre ne sera pas permis dans les cieux. Amen. Amen. Alors, je vous dirai tout à l'heure, je suis amené, parce qu'il faut qu'il y ait une différence entre vous qui servez Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Amen. Dieu dit, je m'ai créé une différence, c'est comme ça. Quand l'ange de la mort est venu frapper l'Égypte, il y a une différence entre les Égyptiens et les Juifs, les Hébreux, dans ce pays. Il faut que Dieu marque la différence. Ça, c'est vraiment très important. C'est au travers de la puissance de ton Dieu que ton voisin saura réellement que tu sers à Dieu. Amen. Il y a des choses qui ne vont même plus t'arriver. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas des véritables croyants. Amen. J'aime bien la croyance. Parce qu'il faut croire. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne pas. Voilà. Oui, pour venir, ce sont des religieux. Ici, Jésus-Christ, au-delà de ça, la chrétienté, c'est une vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, il dit, je vous ai donné le pouvoir à mon nom de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu Amen. Amen. Cette parole de Jésus-Christ, je l'ai expérimentée partout dans mes tournées. L'évangélisation dans les villages. Les plus grands sorciers m'ont lancé des défis. J'ai banalisé leurs paroles. Amen. Amen. Un diable ne peut pas me menacer sans m'effrayer. La Bible déclare que le châtiment qui produit la paix est tombé sur nous. Pour que nous ayons cette paix aujourd'hui, Jésus a été fragilisé à la croix. Amen. Pour que nous ayons cette victoire acquise à la croix, Jésus a connu l'ignominie, la plus grande honte. Il a été humilié à la croix. Amen. Pour que tu aies le pouvoir sur la maladie, la Bible déclare que c'est par ses mains tissus que nous sommes guéris. Les médecins ne font que soigner. Jésus est la guérison. Amen. Tu dis pas Amen. Jésus est la guérison. Et là, je m'en fous si tu crois ou pas, je te déclare que c'est lui la guérison. La femme dit, elle a dépensé tous ses moyens auprès des médecins. Elle a dit, si je pouvais toucher ses vêtements, si seulement. Elle avait cette révélation. Quand je regarde cette femme, même les disciples qui étaient aux côtés de Jésus n'avaient pas cette révélation qui s'était mis la guérison. Amen. Dès qu'elle a touché Jésus, l'hémorragie s'est arrêtée. Amen. Si tu as Jésus, tu as la guérison. Amen. Si tu as Jésus, tu as la protection. Amen. Si tu as Jésus, tu as la prospérité. Amen. Et tout doit avancer, il ne faut pas stagner. L'esprit de stagnation, c'est une malédiction, ce n'est pas bon. L'homme doit évoluer. J'aimerais que vous prospérez à tous égards, qu'on prospère la raison de Dieu que le mal doit être. Il y a les lieux, donc, il y a les lieux où tu peux t'infecter, mais pas ici. Amen. D'ailleurs, le Saint-Esprit en toi. Amen. Le mal n'a pas avoir accès à toi. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort? Amen.
là pour célébrer son nom. Donc, rendre gloire à notre Dieu, qui n'est qu'un hacheur de Dieu des Hébreux. Moi, je précise ça, j'ai fait beaucoup de précisions, parce que mes ancêtres n'ont jamais adoré le Dieu des Hébreux. Je ne dis pas le Dieu de mes pères. Pourquoi? Si il dit le Dieu de mes pères, il parlait des Dieu des démons. Parce que ma lignée adorait les démons. Celui qui m'a révélé le véritable Dieu, c'est Yeshua El Mashiach, Jésus-Christ. On dit Jésus. Sinon, la véritable de Jésus, hein? Amen. C'est lui qui m'a révélé Dieu. Donc, je ne vais pas venir dire le Dieu de mes pères. Mon frère. Mes parents les connaissaient, Jésus. Ils allaient adorer les saints. Ils peuvent venir dire, vous êtes Dieu de mes pères. Non. Quand j'entends les gens dire ça, je dis, frère, tu viens pour que tu dis le Dieu de mes pères. Dieu nous a fait la grâce de nous créer à ce peuple. C'est une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu d'Israël? J'ai béni le nom du Seigneur. Les différents servants de Dieu qui sont dans la salle, qui sont les invités, merci. Servant de Dieu Marie, il y a aussi la servante de Dieu Abigail. Voilà. On fait beaucoup de boulot, on se met pour que ça passe. Elles nous rendent visite pour beaucoup de choses. Et c'est ça, il faut accueillir les servantes et les serviteurs de Dieu. Vous pouvez vous tenir debout, on va acclamer le Seigneur tout simplement. Voilà, amen. On est invité, on aura l'occasion tout à l'heure de parler de beaucoup de choses. Nous travaillons, veuillez vous asseoir pour le royaume de Dieu. Amen. Voilà, pour le royaume de Dieu, et ça c'est important. Quand vous recevez un serviteur de Dieu, vous recevez le Seigneur, et c'est important de partager les expériences. On a besoin de mettre la main, les sangs dans la main pour avancer. J'ai toujours dit que le prophète Crasso n'est pas le super homme de Dieu, mais les serviteurs de Dieu. Amen. Alors, si mon expérience peut aider d'autres personnes dans leur ministère, gloire soit à nous, Seigneur. Amen. Amen. Je vais toujours apporter quelque chose au royaume de Dieu. Amen. Je vais être utile à ce royaume. Je vais être utile à l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que moi, je n'ai pas de barrière. Vous dites non, comme c'est pas, chez moi tu pries, mais c'est du n'importe quoi. Amen. Amen. L'église est l'ensemble de tous les croyants. Tu es chrétien, tu as besoin de mon aide, tu t'apportes mon aide. Amen. Tu es musulman, tu as besoin de mon aide, tu sais quoi t'aider. Amen. J'ai déjà délivré les imams en Bouba, les amis à terre, les chasseurs les démons. Amen. 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 Celui qui convertit là, c'est Dieu. Amen. Amen. Vous allez beau parler, celui qui convainc, c'est Dieu. Amen. Celui qui convainc, qui va beau évangéliser, ça fait n'est pas porter le fruit. Celui qui convainc, là, c'est Dieu. Celui qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Celui qui a dit les larmes. Amen, papa. Il faut être simple dans la vie, dans le ministère. Quel que soit. Ce qui fait grandir dans l'onction, c'est la simplicité. Ça peut grandir dans l'onction. Ça fait que Dieu bénit. Amen. Amen. Oui, ça, c'est très important. Parce que l'onction appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Il faut que la gloire puisse nous réunir. Et ça, c'est très important. Alléluia. Amen. Alors que Dieu bénisse. Amen. J'espère que ça va. Amen. Faut pas avoir peur de ton voisin, n'est-ce pas? Amen. N'ayez pas peur. Amen. Même si les derniers, faut pas avoir peur. Oui. Parce que souvent, c'est comme même pour ça peut nous dire. Oui, c'est en noir. C'est bien servi par le Saint-Esprit. Votre cœur détruit votre foi. Amen. Si David avait peur, s'il avait peur de Goliath, sa taille qu'il avait, pourquoi est-ce qu'il allait le dire? Dieu a utilisé sa foi pour le mettre à terre. Si vous avez peur de quelqu'un qui était à vous, ça va vous gagner la main. J'étais avec un frère qui était dans l'hôtel, il venait me chercher. Il dit, moi, cette maladie-là, elle ne peut même pas rentrer dans mon corps. J'aime la parole de Dieu. Pourquoi je ne suis pas allé? Lui, c'est pas où rentrer. Toi-même, tu as le Saint-Esprit en toi. Je ne suis pas réveillé. Tu as cette maladie-là. En quoi ça glorifie le Seigneur?
Isaïe l'annonce à la télé, qu'on a pu disons ici, hein, en face. Tout à l'heure, ils m'ont dit ça dans la porte là-bas. On doit faire plus bisous. C'est vrai, c'est toutes les mesures de sécurité. Voilà, les gens font tout pour. Amen. Ici, n'ayez pas peur. Amen. On vous rassure. Voilà, n'ayez pas peur parce que nous sommes dans un monde spirituel. Voilà, amen. Amen. Alors, ici, par la grâce de Dieu, je ne vous ai pas dit de violer cette loi. J'ai dit, mais ici, n'ayez pas peur. Parce que nous sommes dans un milieu où ce qui est impossible est impossible. Dans la présence de Dieu, un homme guéri qui peut chasser toutes sortes de choses. Alors que Dieu obéisse. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Tout à l'heure, nous allons nous permettre de prier pour ça. Amen. Amen. Nous allons prier, nous allons nous aider contre les bien. L'Église, c'est si l'Église que Dieu compte. Amen. Il dit, mon peuple, si qui est invoqué, mon nom celui prie, je l'exaucerai. Amen. L'Église, si nous voulons nous prier, le Seigneur va stopper ça. Amen. 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 Dieu n'écoute que la voix de l'Église. Amen. Nous sommes la clé du monde. C'est nous qui sommes la clé. Amen. Amen. Et c'est pour ça que j'aimerais ceux qui suivent déjà cette vidéo, tous les pasteurs qui sont en France, même partout dans le monde, commençons déjà nous en tant qu'hommes de Dieu. Amen. Dans les églises, demander à l'Église d'intercéder dans le monde entier. Amen. Parce que cette maladie est purement diabolique. Amen. Amen. Je n'ai pas envie de trop rentrer dans les détails. Mais il y a des ce qu'on appelle des bombes bactérielles. C'est-à-dire les gens peuvent détruire votre système commercial en vous jetant des bactéries. Il y a des choses, je n'ai pas envie de tout remonter dedans, je fais attention à mon langage, je fais beaucoup attention. Amen. Amen. Mais mon frère, la seule chose qui peut arrêter tout ça, c'est la puissance du sang de l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. Il dit qu'aucun flot n'approchera de ta tente. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est qu'il y a, nous, on s'attache à la parole de Dieu. On ne s'attache pas à ce que les gens disent. Parce qu'il y a ce que les gens me disent, il y a ce que Dieu dit. Or, Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Dieu va respecter sa parole. Amen. L'homme peut te mentir, mais Dieu, il veillera sur ta parole. Si tu t'accroches au Seigneur, il y a le mal, il y a des choses qui ne pourront pas arriver. Amen. C'est sa parole. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. C'est une question de foi. Il y a des gens qui marchent avec lui, ils pourraient prendre. C'est un engagement. Amen. Mais si vous avez la foi, vous n'allez pas la parole de Dieu s'accomplir dans votre vie. Amen. C'est une question. Aujourd'hui, il y a ce qu'il y a à l'église de Divo, parce que je fais les deux cultes. Je fais le premier culte et puis je vais faire le deuxième culte. Je raconte mon histoire à Divo. Je raconte mon histoire. J'ai dit, moi, le prophète Crasso, je n'ai peur de personne, sauf Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens, il y a des esprits que j'ai rencontrés. Il y a des gens, si vous rencontrez ces esprits ici, vous allez vous fous. Je n'ai peur de personne. C'est quand tu me menaces, je me fort. Amen. Pourquoi? Parce que je connais la puissance de mon Dieu. Amen. Je suis allé à Divo, à Zaroko, dans le village. Quand j'ai commencé mon métier, vous m'avez connu. Toutes les premières vidéos à Zaroko, dans ce village-là, les gens mouraient de 9 personnes par semaine. On fait Kédélou, on fait Pepe Sou, on fait sauce pétriti, sauce arachide, sauce graine, sauce poivre, chioco, on met toutes les sauveurs, pas moins, et tout. Et c'est une histoire vraie, vous pouvez aller vérifier ça. L'histoire est là. Un dispensaire rencontré dans le village, ils ont bloqué ça. Ils ont bloqué. On dit, on est, c'est fini. L'État même ne sait pas pourquoi. C'est même dans la société, l'esprit de l'État, c'est tout bête. On vous donne, on finance. Et vous bloquez les chantiers. C'est ça que cet esprit-là, c'est anti-développement. Les Blancs, l'Occident, la première chose qu'ils ont combattu, c'est le mal. C'est l'esprit du mal. Allez dans son Google chercher l'inquisition et la chasse aux sorcières. Ce ne pas les choses qui ont été inventées, ce sont des choses réelles. Amen. Pas vous pensez que nous sommes en train d'inventer des choses qui n'existent pas. Elles existent.
Ça fait tellement de lavages qui se sont réussis. Tellement donné, les gens ont fait de ça un problème, même d'État. Ils ont commencé à aller à chaque entrée pour freiner, n'est-ce pas? Ici, ça va peut-être l'épidémie et tout. Ils ont combattu ce fléau, c'est un fléau. Ils ont combattu le fléau. Et ça a pris 4 siècles, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans pour arrêter le mal. Selon eux, selon le mal, elle a son autre forme. Hein. On juge. Toi, tu as fait quoi? J'ai vu la cuisse et Amina. J'ai dépêché ça. J'ai fait barbecue. Hein, barbecue. J'ai fait la langue de l'autre. J'ai fait steak saigné. Bah, ici, là, c'est saigné. Ou même manger avec pizza. Là-bas, là, c'est sauce. Va moins sur le corps. Voilà, c'est les vraies sauces. Ou bien la peau de Djumbré. Avec de l'eau bouillante, on reste la poudre de Djumbré, du bout des dents, le gars il bouffe. En semaine, j'écoutais une dame qui dit, mais tu sais pas, une vieille, elle a 70 ans comme ça. Elle, mon petit-fils, je ne sais pas comment ma vie m'a crémaré là-bas. Arrivé là-bas, on m'a dit de couper une corde. J'ai dit, mais la vieille, j'avais dit, mais combien il en faut que tu es grand sorcier. Elle est arrivée là-bas, elle dit, mais. Qu'est-ce qu'il fait? Elle dit, non, je suis arrivé là-bas, il dit, non. Donc le restaurant, c'est comment? Le restaurant là-bas, c'est fermé, ou est-ce ouvert le matin? Ben, vous savez, les gars, ils n'ont pas envie de dire la vérité. Et c'est là maintenant, elle me parle. Vous voyez, les gens, quand ils voient, nous voient parler, nous avons été victimes de ça. On a touché ça. Et heureusement, quand vous ne croyez pas à ça, vous allez avoir votre histoire dedans. Restez tranquille. Quand ça va vous visiter, vous avez venu dans le monde d'église. Ah oui, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui est venu ici à 8 heures. Et on dit non, le prophète, c'est 15 heures. Il dit que d'accord. Quand je l'ai écouté, je lui ai donné raison. Il dit, ça y est, raison de venir dormir ici. Parce qu'on le poursuit la nuit, il se réveille, il est ici. Quand il dort, Red Beast, on le poursuit. C'est-à-dire qu'il dort là, on va te manger. On les appelle mangeurs d'âme. Mangeurs d'âme. Or, la vie se trouve dans l'âme. L'âme se trouve dans le sang. C'est la partie énergétique qui les gens. Donc, les signes vont plus, ils ont ça. On ne touche pas l'âme. Ton esprit, mais ton âme, on peut toucher. On peut appeler ton âme pour détruire. C'est ce qu'on appelle les maladies mystiques. On va vous donner ça. On peut vous donner toutes sortes de choses. Ils ont combattu le mal et les choses se sont positionnées. J'ai ce don-là. Je suis allé dans ce village. Les gens commençaient à m'ont dit. Ils m'ont dit. Et ils ne cachent pas pour eux que toi. Ah, on t'a tout donné. Si on t'a respecté, c'est un moi. Et moi. Ce que je vais vous montrer ici. Je vais vous mater et je vais vous montrer qui est Jésus. Amen. Amen. Les gens bizarres des églises vont vous manger. Moi, on ne me mange pas. Hein. L'Éternel est mon berger. Oui, il ne me vend pas comme en manger. Où ça a commencé? Je les ai tous matés. Ceux qui avaient prophétisé ma mort, ils sont entrés sur la terre. Amen. Mon frère, il ne faut pas avoir peur d'une menace du diable. Amen. Le diable une menace effrayée. Il est comme un lion, il n'est pas le lion. Rugissons. Mais jamais. Ça veut dire que le diable crée la psychose, il crée la peur. Et quand dans cette débandon peur, il vous capture. C'est comme ça que le lion apprend sa proie. Frère, n'ayez jamais peur quand vous avez le Christ. Ils m'ont menacé. Moi, je me lève, je les vois en rêve. En sommeil, maintenant, c'est comme ce qu'on voit. Et tous, ils regardent ma chambre. Ils voient viande de porc. Moi, je suis né dans une famille musulmane. Donc, au départ, je n'aimais pas. Ou j'ai respecté ça. Je respectais, non, on ne mange pas pour. On ne mange pas pour. Vous savez, quand on sort, on grandit, on sort. Le jour, j'ai mangé du jour de porc. Moi-même, j'ai commandé. J'ai dit, c'est ça là, on ne mange pas.
J'ai dit ici, ça va s'ouvrir quand on parle de
l'éducation. Vous pouvez bloquer l'école. Les gens vont évoluer comment? C'est ce qui fait le retard de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est le problème éducationnel comme tout en Afrique. Mais on ne peut pas évoluer parce qu'on a un problème éducationnel. Et c'est mon combat que je mène avec ma fondation pour faire de l'éducation. Chaque enfant doit retourner impérativement à l'école. Donc, par nos enfants, on doit les amener obligatoirement à l'école. Dans les amours, dans les camps, partout, il faut qu'il y ait des écoles. Ça va aider l'Afrique. C'est ce qu'il y a pour aider l'Occident. Il faut qu'on amène les gens. Les jeunes bloquent. Aujourd'hui, à l'ouverture, là où il y a un problème d'eau, la maladie. Vous voyez dans les villages où il y a marigot, attendez-vous à des grandes maladies. Et dans ce village, j'étais dans ce village où il y avait les gens buvaient eau de marigot au Moyen-Âge. Je me suis dit avec ça. Pendant que je me disais, oui, moi j'ai vécu des choses. Moi à Paris, j'ai vécu dans des maisons où je dors et puis il y a fou, il y a Amania. Vous réveillez comme ça. Et puis le ventilateur, il bouge comme ça jusqu'à. Il blesse les pieds, ça dit pas. Heureusement qu'il n'en est pas dans la tête. Parce qu'il danse. Un ventilateur de l'Italie, la fermeture au long bout. C'est pété. Comme il fait chaud, tu as fait comment? Ça va être bizarre. Ça te souffle un peu. Et puis à un moment, ça te blesse. Tu dis, mais c'est. Pourquoi c'est? C'est pour toi. Amen. Amen. Et puis maintenant, quand je vois Mania. Vous connaissez Mania? Vous connaissez Mania? Oui. Moi, j'ai vécu ça. C'est-à-dire, attaque que vous vivez. Moi, et ensemble. J'ai vécu pendant 6 mois dans le village. 6 mois. Pour faire un ratissage propre. Frère, si les gens ne donnent pas de Jésus qui en ils ne vont jamais se convertir. Amen. Non. Il y a quelqu'un pareil. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Quelle est ton expérience avec Jésus? C'est quoi Jésus? C'est quoi Jésus? Jésus, il est tout puissant. Amen. C'est ce qu'il enseigne aujourd'hui. Il dit, les gens peuvent parler, ce n'est pas de l'orgueil. J'ai participé au développement de la région du Divo. Parce que j'ai prophétisé que les rues de Divo seront bitumées. C'est bitumées. J'ai prophétisé, le maire était attaqué mystiquement. Le maire est devenu le ministre des infrastructures, le ministre Amédée. C'est moi qui ai prié pour ce monsieur, qui était maire et qui a été guéri mystiquement. J'ai prophétisé sur lui, on l'a nommé ministre. Amen. Toutes les rues de Divo sont bitumées. Allez-y voir Divo. À partir de Divo jusqu'à la roue et Oumé, c'est en train d'être bitumé. En 2013, je suis allé prophétiser cette loi. Parce que la roue précède le développement. Amen. Nous battons pour le développement africain. C'est ça que je demande à nos dirigeants de coopérer avec les hommes de Dieu. Il y a ce que vous voulez faire, mais le monde ici bloque ça. Si vous jouez le spirituel, vous n'allez jamais évoluer. Vous n'allez jamais évoluer. On est mis dans un village à Grand Laou. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Grand Laou, j'ai les avocats. Et la troupe me dit, c'est et pour nous, il y a un monsieur qu'on appelle Daniel Diplavi, le plus grand sorcier de tout Grand Laou. On m'invite en 2009. Parce que je suis passé à l'émission télé. J'étais le premier homme de Dieu qui a fait une émission sur la sorcellerie. Les gens sont venus me demander. Tu crois qu'on a fait là, tu vas avancer, vous voyez ça? J'ai dit, mais pourquoi dire tout ce qui va les sorciers, les tuer, dis-moi, seul monde ne tuera pas. Les gens me disent, comme si ah, c'est une très belle question. Je pense celui qui ne connaît pas. Parce qu'il a parlé de Jésus qui peut le connaître. C'est deux choses différentes. Oui, mais vous parlez de Jésus, vous ne le connaissez pas. Okay. Moi, je connais Jésus et je sais. Amen. Donc lui là, il ne pourra rien dire non. Ils ont dit un tel chanteur. Il y a un chanteur qu'on appelle ça pour la chanter sur le chien. Et ils l'ont tué. Il y a quelqu'un à qui son papa ou bien oh en dit là, ils l'ont tué. Vous rencontrez quoi? Moi je suis serviteur de Dieu. Le diable, quel méridien là, il ne touche pas. Pourquoi? Parce que Luc 10.
Dis-moi, je vous donne mon pouvoir à mon nom de marcher. Et les scorpions, rien ne pourra vous nuire. Je dors et je me réveille. La sorcellerie existe. Et je vais faire un point. Tu vas faire une nuit. Le matin, tu vas venir me dire. Ah non, 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 les non. Ça, là, quand tu as posé la question, tu as une fois vu quelque chose qui n'existe pas. Et bien, non. Tout ce qui est non existe. Allez, tu dis, tu me poses la question, t'envoyer, je connais, non. On appelle ça Agardon. C'est un village dans Grand là-haut. On fait 3 heures. Frère, si il y a des gens dans les jeux, c'est vrai que je ne suis pas âgé, mais j'ai une expérience. Toute ma jeunesse, toute ma vie, c'est dans le ministère. On fait 3 heures dans le bureau, vous allez dans le village. Je suis le seul, et puis il y a un autre qui n'est pas sorcier. Je vois tout le village, tout le monde est sorcier. Il n'y a pas d'école. Si je vais faire école, je traverse l'eau. On va aller faire de l'autre côté. C'est le week-end, bel vendredi, qu'ils retournent. Voilà, chez eux, non. C'est dans ce village que je suis allé mater la sorcellerie. Ceux qui iraient à cette vidéo seront qui est le prophète Crasso en 2009. 2009, à Ebou, on m'invite dans ce village. Daniel Dibravi. Le monsieur, on découvre le pétrole bleu. Un hein, pétrole. Dans le procession, on voit le pétrole, on voit le pétrole. On dit, bon, on va vous dégager. Et puis bon, ils vont vous dédommager. 3 mois après, on vient, tout est tracé, on ne voit plus le pétrole. C'est-à-dire, ceux qui n'ont jamais fait l'expérience, vous regardez comme ça, c'est terrible. Je mets dans le village. Le monsieur s'est levé un matin. Ben, lui, il ne cache pas pour nous. Il s'est levé un matin, il dit, ah, vous pensez que quoi? Que vous avez vécu le monsieur bizarre curieux, c'est un prédicateur de l'église méthodiste. Il s'est un matin un gros pain, gaillard, image de village. Ah, vous pensez que on allait, moi, tant que je serai vivant ici, le village ne va jamais céder le votre pétrole là. J'ai mis ça dans mon ventre. Vous n'avez pas oublié, tu fais ça. Moi, on a vu ça en live, visage. Ah, vous êtes là, il parle en France, vous vous faites comme ça. Et tout le monde s'est bien brûlé. Qui veut parler, c'est 5h du matin. C'est le meilleur communicateur. À 5h, tout le monde est au rêve. Parle, parle, parle. Quand il finit son tour, vers celui, personne. Mais si tu as parlé, que Dieu nous. Réponds à Kéké. Tu vas dans le témoignage. Combien joue au football, les enfants, on lui demande pardon, 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 pardon. Voici l'argent, voici ça de rire. Faut pas les gens se blesser. Tant que vous ne demandez pas la permission, vous cassez les pieds, vous mourrez. Demandez, après cette émission, après l'église, demandez à Grand Laou et Boulou, le pasteur du prophète Crasso en 2009. On construit l'école, il a bloqué, mystiquement. Et lui, il dit, cache pas. Moi, j'aime bien les sorciers comme ça. Celui-là, c'est le vrai sorcier. Il cache pas pour lui. C'est pas que tu es sorcier, il dit, non, je vois, j'ai maillé là-bas, mais je ne mange pas. Il a vu lui, là. Et c'est là-bas, on va ne pas manger. Là-bas, le restaurant est toujours ouvert. Le maquis est ouvert. C'est un maquis au moins qui trouve le dessert, il mange. Cuisse, maquis. Amen. Amen. Alors, quand on m'invite dans une réunion, on dit, bon, ok, il y a un problème sérieux dans notre village. On aura appris que tu as parlé de ça sur les antennes de télé, on t'invite, tout ça. Ton âge que tu as. Parce que le monsieur, là, maintenant, on va m'expliquer un problème qui s'est passé dans cette période. On dit, on va inviter le prêtre, le premier prêtre qu'on invitait dans l'église, on lui a vu l'église, et on dit, bon, voici votre prêtre qu'on a prêté. Bénissons le Seigneur notre.
Amen. Ah, vous connaissez ça? Vous connaissez? Amen. Amen. Oui, il y a un peu l'église catholique, mais c'est là-bas qu'il a pris ça. Amen. Bénissons le Seigneur notre. Amen. Ah, vous connaissez? Donc le père le demande comme ça, n'est-ce pas? Et pour le regarder. Hein? Donc il dit, bénissons le Seigneur notre. Amen. Non, il y a un peu la main. Lui, comment ça va? La main, là, il dit pas. Donc, Amen, là, où ça y est. Donc, les gens le suivent pour aller dire Amen. Parce que, quand tu as dit Amen, écoute, les gens nous. Parce que toi, tu vois derrière. Nous, on est ici, on te suit, on est concentré. Toi, du coup, dans un peu comment? On t'imite aussi. Ben, tu as dit, ah, bénissons le Seigneur. Tout ce que tu fais, lui, il me laisse aller pour dire aux gens, non, restez, on est on va te suivre. On va aller dire Amen. Notre Amen, cette fois, allons-y. Tu vois, les gens sont malades. Oh, le monsieur, il avait un problème. Le sorcier l'a flashé. Une petite diarrhée bizarre. Il y a des diarrhées, faut pas jouer ça. Une petite diarrhée l'a visitée. Oh, le gars qui lui pardonne, non, on va te chier. Et le gars, il a tout fait ça. Ouais, malheureusement. Vous avez vu pourquoi il disait, il n'est pas dit Amen là où j'ai vu. Il n'est pas dit Amen, c'est tout ça. Le soir 18h, le sorcier passe. Il dit, vous faites l'église et vous n'êtes même pas fort. Ah, il dit, hein? Il dit, non, il dit, mais ce qui vous dit, allez demander à aider pour nous, demander à aider pour nous. Le pasteur du prophète Cachou en 2009, et demander, est-ce qu'il est vraiment mon solution? Il avait parlé du village. Toute la région de Grand Amour avait peur de lui. N'est pas fort, vous m'invitez pas. Dans votre église, fait ça pour vous. Vous avez vu, non? C'est à moi, il fait. Non, mais moi, j'aime bien ce. Vous voyez, c'est-à-dire, comme on a compté son histoire, je l'ai aimé. C'est-à-dire, il ne cache pas au moins son travail qu'il fait. Il assume. Moi, j'ai des gens comme ça. Lui, il assume ça. Lui, non, non. Lui, il joue pas sa vie, il est convaincu de lui. Il a ça. Il joue plus ça. Si tu veux, il déteste. Non, lui, il teste, il déteste. Il a testé le gars, il a fait Amen. Donc les gens disent, si le gars a testé, l'église, ah, ça vraiment, c'est qu'il est dangereux. C'est qu'il est dangereux, c'est qu'il est dangereux, c'est qu'il est dangereux. Donc les gens peuvent m'expliquer une réunion. Vous dites, ah, lui-même, c'est pas fait des villages qu'on a, même à l'église, il fait ça. Moi, je n'ai rien. C'est-à-dire qu'il veut même intimider. C'est ça que par moment, vous n'écoutez pas ce que les gens vous disent. On est financé votre foi. Goliath a commencé à parler, parler, intimider. David, il est séduit. Il est séduit. Il est qui? Lui, il est qui? Pour menacer l'armée d'Israël. Il est qui? Pour insulter Elohim, il est qui ce monsieur? Qui il est? Il nous dit, ah, petit toi, c'est pas une question de petit. Dès qu'on touche à votre foi chrétienne, réagissez. Amen. Dès qu'on touche à ce qui concerne Dieu, réagissez. Amen. Parce que c'est consacré. Vous jouez consacré. Est-ce que tu peux dire l'histoire? J'ai l'histoire. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. C'est avec la puissance de Dieu que la montagne volante s'est déplacée. Amen. D'ailleurs, c'est vous qui êtes en train de s'entendre irrité parce que comment un diable peut régner comme maître dans un village? Amen. Il vous terrorise. Il vous ne dites rien. On dit non, c'est parce qu'on dit rien, mais il est dangereux. Oui, les gens, c'est-à-dire, eux, ils ont dit assez.
Stop. Je ne parle pas de l'église. Je ne dis pas le nom de l'église qui est là-bas. Il n'y a pas un homme ou un enfant de Dieu qui a dû se lever. C'est pour ça que ce monsieur règne avec. Lorsque vous allez vous lever en tant que chrétien dans votre village, dans votre famille, dans votre foyer, si vous levez, vous stoppez le jeu du diable, Dieu sera avec vous pour faire taire le diable dans votre maison. Dis amen. Je suis le petit David qui va détruire le diable. Moi, j'ai ma foi. Amen. Le diable, c'est qui? C'est qui le diable? Jésus m'a vaincu. Oui, ok. Donc, j'ai fait la réunion avec tous les fonctionnaires. On a fait une réunion. Moi, je pars. Jeudi. Dans le village, et ils arrivent samedi, parce qu'ils travaillent samedi en fait, ensemble. Tout le monde disait, lui là, une petite sauce crème, vous le mangez ici. Moi j'ai dit, dites au monsieur, moi j'ai dit à mon fils, moi j'annonce, dites à ce monsieur que j'arrive dans le village. Amen. J'ai dit, à 15h, les gens descendent dans le village, moi je marche. Sur la porte, je descends, je marche, et je chante, je possède les lieux. Quand vous voulez rentrer sur un territoire, possédez les lieux. Parlez à la terre. La terre va vous reconnaître, votre autorité. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Je soulève la poussière. Parce que Dieu l'aime. Dieu écrit le vent comme un messager. Je pars et je pars à la terre. On dit désormais. J'établis l'autorité de Dieu dans ce village. Et j'entends que tous les ténèbres, tout ce qui est diabolique, ne soit soumis dans le nom de Jésus. Amen. Il possède le village. Amen. À 18 ans, on fait la réunion. Il dit, je suis venu. On dit, c'est pourquoi? Il dit, je suis maréchal. Je suis venu vers les gens ou pas? On dit, c'est tout, lui. Il dit, moi, c'est mon seul message. Quand je les mets ou pas, je lui dis, Jésus est Seigneur. Amen. Et quand vous allez croire, je ne vais pas vous dire non, Jean 3, verset 16. Non, on n'est pas là dans Jean 3, verset 16. On est dans le combat spirituel. Donc je suis venu pour les mettre au pas. On dit qu'il est les sorciers. Dites au crio de ce dit dans le village. Le meilleur communicateur du village, c'est les crios, c'est là qu'il trouve. Et ça marche les 4h30. Chacun parle. Et quand il parle, il y a écho. Tout le monde entend. Il passe derrière la maison. Les gens se sont réveillés ma tête. Ah, le monsieur, c'est ce qu'il est venu faire ici. Vous savez qu'en Afrique, du monde, vous allez dire, le lapin, c'est qui est venu chercher ici. Lui-même, il va dans le témoignage. Or, le gars, il a commencé à murmurer pour lui dire, il est sur mon territoire, ce petit-là, je veux manger. Il y a une chance. Il va me faire briser le manger avec les filles. Alors je lui ai dit demain, à partir de 5h, c'est lui qui ne vient pas parler. D'abord qu'on a fait la réunion, j'ai parlé et le chef, il dit, même si c'est moi, il n'y a pas de problème, il dit, tu es déclaré par ici. Il dit, quoi tu commences à manger? Il dit, t'as pas de problème. Allez-y. Il dit, mais non, tu as bien dit, même si c'est toi, d'en faire de ça, on ne trie pas. Il n'y a pas de cap. Ben ici, il y a un cap, tu peux me manger. Allez-y. C'est là qu'ils vont te donner à manger, parce qu'on va régler le vrai. Vous savez, les diables, ils ont un vrai problème. J'ai une multitude de village. Ils savent quand les choses vont venir. Dans chaque famille, il y a un réseau de colis. Ils sont très organisés. Très organisés. Non. Ils savent que tu as des maris. Ils savent. Comment? Il y a quelqu'un là-bas qui a donné l'information. C'est une conférence.
Donc tant que tu ne maîtrises pas ça, tu ne peux pas avancer. On a commencé. Les plus faibles sont venus. Non, elles essaieront vite, vite. Ah, parce que moi, je leur ai dit, j'ai reçu le mandat, les papiers. Allez, mon secrétaire, je dis, oh, moi, je rentre dans un village avec un agrément, papier légalisé, tout ça. Le deuxième jour, les plus, ceux qui commençaient à me résister, tombaient dans leur maison déjà. Et fait trois jours de gêne. Parce que c'est pas un musulman que je m'en vais. Ou je laisse ma peau pour me manger. Moi, je suis convaincu. Et là-bas, ils m'en vais là, c'est pas pour m'amuser. Mais pas dans danser. Mais j'ai un fou. Et je crois ce ministère. Et j'arrive. Le troisième jour, en plein croisade, le monsieur Daniel Duplavi quitte chez lui. Et les gens sont en train de regarder, en train de venir avec un gros pain. Les gens ont peur, tout peur, ça. Mais il a terrorisé les gens ont peur. Quand les gens. Les gens ne chantent plus. Les meilleurs chanteurs de gospel, c'est le peuple africain. Ils savent chanter. Ah! Ils appellent les faux ou. Non, non, ça dit, eux, ils chantent même. Je suis là, puis ils pleurent. Tellement qu'on a le courant, ils ont courant tant. Courant d'Aris, courant des catholiques, courant des. Ils ont courant partout. Mais on les mange. Non, mais c'est mieux. C'est-à-dire qu'ils chantent dans leur langue africaine. Nous ne chantons pas. Mais parce qu'ils disent en africain, ils ont peur de quitter le Seigneur. Il vient me dire, hé, c'est moi, ça va, ça reste. Il me dit, hé, moi, hé. Je dis, mais hé, comment? Il me dit, hé. Qu'il veut me parler? Non, vous vous alignez, je suis un plein programme. Celui que je dois obéir ici, j'ai une lettre de tout. Les responsables de ce village. Dont le premier responsable qui est déjà payé là, il a signé la lettre. Voilà, donc personne ne serait parié et toi tu ne peux pas m'arrêter. La seule personne qui peut m'arrêter ici, c'est Dieu. Toi t'es qui? J'ai la signature de la préfecture. La sous-préfecture plutôt, parce que là c'est dépend de la sous-préfecture. Et de la gendarmerie, la mairie, c'est légalisé. Et pas moi, il va me prendre, il m'a dit, les gars, on m'a invité. Toi, t'es qui? Il dit, non, je vais m'expliquer. Il dit, tu n'expliques rien. Si tu veux me parler, mets-toi. Mets-toi. Il dit, non, lui, il a quelque chose à me dire. Il dit, quoi? Il dit, moi, je t'écoutais, il dit, tu as gagné. Il dit, hein? Il dit, tu as gagné. Vous n'attendez pas le Seigneur, tout ça? Le journal, le jour plus, le journal chrétien, journal, la Côte d'Ivoire, journal, a écrit ça. Notre heure, en 2009, ils ont rapporté ça. Il dit, j'ai entendu. Quand on t'a annoncé, je suis allé te chercher. Je ne viens pas de ton âme. J'ai commencé à sourire. Je me couche, je m'endors en paix. Oh éternel, tu me donnes de la sécurité. Le psaume 4, le Seigneur. Tu vas venir manger. Moi, je suis quelqu'un qui va venir me manger comme ça. Sans propriétaire. Sans propriétaire. Je sais pas les moutons qui gagnent comme ça. Ils fuient comme mange. Les pécores qu'on fait, les pécores cassent les blés. Elle sort la nuit, Bibi, avec qui mange, Bibi, avec deux qui mangent, la nuit, Bibi, t'as pas mangé, Bibi, et tu ris, Bibi. Non, hein? Il dit qu'elle cherchait, mais eux, ils sont près de la lagune. Donc, il y a des pêcheurs de crevettes. C'est des pays noirs. Il allait voir, il faut que le monsieur, je le nuise. Donc, il a essayé. Vous savez, il y a la sorcellerie et le fétichisme. C'est deux choses différentes. C'est là qu'il a commencé à comprendre autre chose. Il a essayé son parti du site, c'est-à-dire qu'il est sorti de son corps, il a essayé, ça n'a pas marché. Alors donc, il allait maintenant faire le fétichisme. Il a pris un cabri noir, il a enterré le cabri. En disant mon nom, c'est-à-dire quand le cabri est bouffé sous la terre, moi je dois mourir. Donc le gars attendait que je rende l'art. Le premier jour.
deuxième jour, troisième jour. Dis non, lui là. Parce que si il a déjà dit qu'après le troisième jour, lui-même va venir me chercher. Avant qu'il vienne me chercher, j'ai prévu un miracle. C'est sa parole. Dis amen. Amen. Je viens pour monsieur. Vous êtes courageux. J'ai trop courage. Mais monsieur, il est trop courageux. Mais vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Vous savez où est surtout mon nom, Marie-Chan? Hein? Je vous compte le nom de l'histoire. C'est dans un village. Gaudier, là-bas. Dans un village. Ils ont fait venir le fétiche du Libéria. Et c'est né de génération en génération. Malheureusement, le fétiche de nos ancêtres, c'est générationnel. Or, le fétiche, là, on le nourrissait avec les œufs. Bam! Les œufs ne suffisaient plus. Quand c'est comme ça, le diable est trop usé. C'est le poulet. Le poulet, il ne peut plus manger sans le poulet. On dit mouton. Alors, ça ne dit plus, c'est pas comme le maïs, mais l'homme. Donc, il a commencé à tuer. Tuer dans la famille. Et tu vois un esprit dans ton rêve. Quand tu viens voir un esprit, l'esprit dit, je vais te prendre parce qu'on ne m'a pas donné de sacrifice. Et quand tu viens compter ça à la famille, le lendemain, tu meurs. C'est comme ça le fétiche tuer les gens. Et ces personnes-là, dans la lignée, ce sont les guéris. Parce que c'est comme ça que j'ai connu l'histoire des villages. Dans les villages, dans la conquête des guerres, il y a des gens qu'on les appelle comme des alliés qui viennent aider des personnes pour faire la guerre. Eux ne sont pas compétents guérir. Donc, dans chaque village, les familles ont une histoire. Et cette famille-là, elle est venue, elle a ce pouvoir. Et dans leur famille, ils ont un groupe parent. Donc, j'avais cet esprit. Alors, cet esprit-là, il régnait dans la famille. Il fallait détruire ça. Et j'étais confronté à cet esprit. C'est comme ça, j'ai vu la main de Dieu. Donc, le monsieur, il a pris pioche. Bah! Le monsieur, il s'est projeté. Le responsable. D'où ça l'a projeté? Déjà, la maison était monétisée déjà, la maison. Donc tout le monde criait, on sentait ça. L'Afrique est une culture naturelle, satanique, démoniaque. Au fond, il n'y a ou pas le fond de l'Afrique. On m'a dit, ah, aujourd'hui là. Donc j'ai dit au pasteur, parce que j'ai commencé à chauffer. Il y a un pasteur qui était autour de moi. Il a commencé à verser aussi. Moi, lui aussi, il a commencé à verser. Parce qu'on ne pouvait pas. C'est comme les têtes électrocutées. Voilà. Et il a touché. Quand il a touché le sol, ma mère est partie. Quand ma mère est partie, puis j'ai crié. Ceux qui étaient avec moi, combattant Satan. Oh Seigneur, notre Dieu. On s'est pour dans ce. Ils sont partis. On s'est gagné notre Dieu. On s'est pour. C'est toi qui dis que tu ne peux pas sortir, reste là. Tu dis que tu ne peux pas sortir, reste dans le trou. Je suis bloqué. Moi, mais je reste plus fou. Juste à côté, non, il n'a pas pu partir parce qu'il était main, la maison, il n'a pas pu partir. Je le reste, c'est parti. C'est-à-dire que tu es là dans le trou, tu t'attends à loin. Faut pas amener n'importe qui en guerre. Amen. N'amène pas n'importe qui en guerre. Je me dis, aujourd'hui là, je ne sais pas si Dieu m'a abandonné. Ah oui, il y a un moment tu te dis, est-ce que vraiment Dieu, il est là? Et puis tu te rappelles de ton alliance. Vous savez, demander à tisser une alliance avec Dieu. Si tu veux le servir, il faut que vous ayez une alliance. Dieu te rend compte de cette alliance. Pour vous faire sortir des situations. Je rappelle quelque chose à Dieu et je sens une force qui m'anime. Dès que la force m'a animé,
L'onction m'a saisi, ça m'a poussé. Et le fétiche est sorti. J'ai jeté ça. Et mon cri comme ça, ça y est, j'étais pratiquement dans les ports. Dès qu'on m'a fait sortir de la chambre, Maréchal, Maréchal, c'est là mon père. Mais ceux qui disaient Maréchal, là, ils étaient déjà partis. Aïe, combattons Satan, sans visite, ça c'était prévu. Oh, Satan est prévu, combattons Satan. Un moment dit, combattons Satan, sans visite, et sans épée. Oh Seigneur, notre Dieu. Parce que là, c'est une question des généraux qui doivent gérer le combat. Ce n'est pas les caporaux, les gens bizarres. Ce n'est pas dans n'importe quel combat, tout le monde doit être élu. C'est pour ça que Dieu, il faut que Dieu puisse te moindre. Amen. C'est important. Il faut que Dieu puisse te moindre davantage pour que ta parole puisse faire trembler le royaume des ténèbres. Amen. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre fin à ça. Et mon nom est venu Maréchal. J'ai une histoire avec ce nom Maréchal. Amen. 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 Le diable sait qui tu es. Non, il faut qu'il sache qui tu es. Amen. Jésus dit le diable sait, mais il n'a rien à moi. D'ailleurs, il doit savoir qui tu es. Il y a des gens quand ils parlent, le diable s'y tait. Amen. Tu dois avoir cette autorité là. Il faut que tu aies cette onction pour ta famille. Amen. Sur ta nation. Ça, c'est beaucoup très important. Ça, le nom Maréchal est béni. Et tout le monde commence à m'aider. On dit, tu n'es pas mort. Le soir, la croisade, tout le monde s'est converti. Les gens veulent voir la puissance de Dieu. Alors, c'est pas une question de la prédication de l'évangile aujourd'hui. C'est vrai. Mais quelle soit celui de démonstration. Si Jésus n'opérait pas des miracles, je ne serais pas aujourd'hui chrétien. Moi, je n'avais jamais me converti. Jamais. Amen. Il faut qu'on aille à l'église. Je ne suis pas né chrétien, je suis né dans une famille musulmane. Si Jésus ne fait pas le miracle, il faut. L'apôtre Paul dit ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours, mais dans une démonstration de puissance. C'est pour ça qu'il faut que Dieu manifeste sa puissance dans votre vie. Parce que chaque jour que Dieu fait, même votre colère, il prie dans le mystique et vous détruit. Le diable, le prince de ce monde, il règne. Amen. Il règne, vous regarde. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Vous avez peur de vous saluer, vous la haine. Qu'on appelle la dame de Christ. Vous ne savez pas qu'il est mystique, même si vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Que vous vous serrez la main, il lâche. Il est qu'on appelle la spire des choses dans votre vie. Il s'en va avec ça. Le contact physique suffit. Même le rapport sexuel. Le rapport sexuel, c'est un acte qui est tout. Les démons se transmettent facilement. Vous avez peur. C'est pour ça qu'il faut prier. Aujourd'hui, on a compris même que dans la nourriture, on peut même transmettre rapidement. Vous avez écouté ce qui s'est passé dimanche passé. Amen. Les amis, vous avez vu. Le diable est le maître de ce monde. Le prince de ce monde. À un moment, il faut chercher à savoir réellement le vrai visage avec qui tu es et qui tu es avec qui tu vis. Le diable n'est pas pour t'illuser. Or, vous avez Jésus dans votre vie. Vous avez Jésus-Christ dans votre vie. Le nom de Jésus, c'est un nom qui fait trembler le royaume des ténèbres. C'est pas un petit nom. C'est pas un petit nom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Démontrons aux yeux du monde que Jésus est capable de tout. Amen. Alors nous sommes le premier mois du mois de mars. Aujourd'hui c'est le premier. Alors je vous explique quelque chose. Simple. Vous savez, si vous ignorez, vous jouez avec la vie spirituelle. Vous jouez avec votre propre esprit. Dans la spiritualité, la négligence a pris sa place. Les gens sont trop négligents. Ils aiment tout remettre après. À des mains. Ils jouent avec ça. Frère, Dieu
ciel et la terre. Le ciel, c'est le symbole du monde spirituel. Amen. C'est pour ça qu'il faut traiter d'abord avec le ciel pour avoir la terre. Toute victoire se gagne d'abord dans le spirituel. C'est pour ça que ceux qui veulent attaquer, ils vont d'abord faire une partie mystique pour attaquer. Ils viennent vers le nord pour attaquer. Ça, je voulais vous enseigner ça. Quand les gens vont enseigner cette église, je vais vous enseigner comment le diable oriente dans le nord. Toutes les attaques, même dans la même tout le monde peut le voir. Ceux qui veulent attaquer sont venus par le nord. Attaquer la bataille. Je vais vous expliquer tout ça, spirituellement parlant, comment vous allez gérer ça. Parce que moi, c'est mon ministère, le combat spirituel. Ça, vous pouvez compter chez moi, je peux vous donner ça. Comme information. Alors, regardez, nous sommes le premier. Or, l'année compose combien de mois? 12 mois. Très bien. On a 12 mois dans l'année, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est pas 12? 12. Ok. Donc 12, on trouve combien? 1, 2. C'est pas ça? Donc le chiffre est normal. Le chiffre est 3, n'est-ce pas? Souvent quand on parle de la numérologie, les gars, le plus grand numérologue c'est Dieu. Le premier jour Dieu a créé, le deuxième jour, le sixième jour, Dieu c'est le chiffre de l'homme, n'est-ce pas? Je vais faire ressortir un chiffre qu'on appelle 3. Le chiffre 3 il est important. Le troisième jour Jésus sort du tombeau. Amen. Amen. Dieu c'est l'Esprit, Dieu, Dieu Esprit, Fils et Dieu le Père. Pourquoi l'homme ressemble à Dieu? Parce qu'il est composé de l'Esprit, l'âme et le corps. Donc il ressemble à Dieu. Il a ces trois entités en lui. Vous allez voir l'œuf, il y a le jaune, il y a le blanc et la coquille. Voilà. Donc, n'ignorez pas ça. Le chiffre, il est tellement important que c'est le chiffre de Dieu. Alors, si vous allez aller dans une entreprise, on vous dit, toi, fais un stage 3 mois. On est convaincu que si tu as un diplôme, tu vas prouver ça pendant les 3 mois. Parce que les 3 mois permettent de te couvrir et voir tes faiblesses et de couvrir tes qualités. Les 3 mois, c'est comme ça, ça y est. C'est comme ça. Dans les 3 mois, tu peux évoluer comme régresser. Comme stagner. C'est tout. Tu peux stagner. Alors, donc, quand vous marchez, essayez de faire les points. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne font pas les points. C'est-à-dire, ils réfléchissent, ils s'apparent, et ils se disent, ils négligent tout. Non, on ne marche pas aveuglement. C'est pour ça que la Bible dit qu'un aveugle ne peut pas conduire les aveugles. Ils tomberont tous deux dans le même fossé. Il faut ouvrir les yeux pour savoir où tu t'en vas. Comprenez, une journée, c'est qu'il voit quelque chose. Il faut comprendre. Alors, donc, nous rentrons dans le troisième mois, qui est mars. D'abord, dans le calendrier romain, le mois de mars, c'est 17 ans. Vous allez sauver ça après. J'aurai l'occasion de vous enseigner ça en cours des spectacles le dimanche prochain. Alors, le mois de mars, selon le calendrier romain, c'est un moment où les gens célébraient la victoire. Vous pouvez aller regarder si vous voulez faire des recherches et tout ça. Alors, le troisième mois, c'est le fait que le chiffre 3 est le plus important. Nous abordons le troisième. On a commencé janvier. On avait défini février. Alors, troisième mois. Normalement, quelque chose va se passer dans ta vie. Normalement, ça y est, ce mois-là, il y a des choses que tu vas venir. Une bénédiction, un mariage. C'est le mois où tu vas s'aimer, récolter ce que tu as s'aimé. Il faut qu'on nous ouvre les yeux pour que vous compreniez que le mois il est tellement important qu'il ne faut pas négliger ça. Oh, les gens, ils négligent. Ils sont là, ils ne savent pas pourquoi ils prient. Oh, vous savez, la transition. Quand vous voyez, David dit quoi? David dit, je précède l'aurore. Oh, j'ai déjà dit aux gens, l'aurore, c'est 4h30. L'aurore, c'est l'aurore si tu précèdes le jour. Et l'ange dit à Jacob, laisse-moi partir parce que l'aurore arrive. C'est à partir de l'aurore qui s'ouvre les portes de la journée. La vraie rencontre pour les choses de la journée. C'est 3h34 du matin. Les musulmans ont son mystère. Ils savent ça. Nous, c'est là, on ronfle. C'est là, nous sommes joués aux caisses, les bombes à tirer, qui parlent de batterie. Les militants mystiques ne parlent plus à cette heure. Parce qu'à cette heure-là, les anges se positionnent sur ta maison. Chaque enfant de Dieu est un ange. On aura l'occasion de parler dans un jour. Amen. Les gens disent, pourquoi le prophète, pourquoi les gens parlent des anges? Mais les anges agissent dans la Bible. Mais est-ce que vous avez une fois dit dans la Bible, ça dit ça dans la Bible? Est-ce que vous avez vu dans la Bible, on a parlé des sirènes des autres? Hein? C'est venu pour que nous prenions ça au sérieux.
C'est une révélation. Amen. Amen. Il y a une maladie, il y a une maladie qui dit non, il arrive, il dit, mais est-ce que la Bible a écrit, c'est un besoin. Mais dans les écrits, mon cher, c'est un besoin. C'est ça, tu vois. C'est pas ce qu'il dit. Hein? Quelqu'un n'a pas montré un verset du Bible pour dire. Parce que les gens viennent toujours pour faire sortir verset. Donnez-moi un verset du Bible où la Bible dit chasser la sirène des eaux. Donnez-moi un verset où il y a la sirène. On attend à chasser. On sait que la sirène, c'est un esprit qui vit dans les eaux. Ça, c'est une notion. Ça, c'est un esprit. Qui est ni homme ni poisson. Mais c'est un esprit qui règne dans les eaux. Amen. Et qui a son utilité, comment il attaque tout ça. Bref. Amen. Alors, pour vous dire, si vous ne donnez pas d'importance aux choses, c'est le moi où on doit servir. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que ce mois-ci, c'est le moment où on doit récolter. Amen. Je vous ai déjà dit que quand un mois commence, il faut les intentions de prière. C'est-à-dire, vous énumérez selon vous ce que Dieu aimerait, ce que vous pouvez avoir. Parce que Dieu, il exauce qui les prières. Amen. 10, 12 sujets par exemple, et vous priez. Vous priez. Parce qu'il faut, après la fin de l'année, il faut comprendre que Dieu t'a exaucé ou pas. Le mec se lève matin, il prie, il ne sait même pas comment prier. C'est pour ça que les jeunes, vous priez, mais vous priez mal. Oh, prier, c'est demander. Tu ne demandes pas à Dieu. Oh, au cours de l'année, tu as des intentions. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne doit pas projeter. Tu projettes quoi? Or, la Bible dit que le juste vit par la foi. C'est la foi qui fait que tu es juste. Ta foi peut t'amener à projeter. Tu n'as pas une maison, tu projettes ça. Je vais cette année réaliser ça. Tu écris devant Dieu. C'est les intentions, tes souhaits là, que Dieu exauce. Fais l'éternel des délits, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur? Donc, vous regardez, vous priez, vous allez enseigner ça, comment marcher. Alors, ce mois-ci, déjà pour ceux qui savent, on a commencé à faire la transition. Ça veut dire, depuis hier, ceux qui ont commencé à ma paix à 23h30 non plus, c'est fini, je n'ai plus de contact. Frère, je veux rentrer dans un nouveau mois. Ce nouveau mois-là, je dois parler à ce mois-là. Parce qu'il a prié et puis il a prié. Il a invoqué Dieu, il y a l'intercession. Je n'aurai pas besoin de vous parler de tout ça. Or, la prière qu'on adresse cette fois-ci, c'est de parler au mois de mars. J'ai fait la transition. La transition est tellement importante. D'un mois à un autre mois, il y a des choses qui ne doivent plus m'accompagner. Est-ce qu'on m'a suivi? Amen. Je dois évoluer. Normalement, c'est comme un palier. Il y a des branches qui doivent tomber. Et vous devez regarder votre vie. Ce que Dieu doit débarrasser de votre vie. Parce qu'il y a les bénédictions qui vont céder à ça. Il y a les péchés qui doivent partir. Il y a certains péchés qui doivent se rendre. Dieu tient au soin comme ça. Amen. Amen. Alors, tu dois regarder pour dire, Seigneur, non. Ce mois-ci, non. Il y a des choses qui doivent partir de ma vie. Il y a certaines choses qui doivent partir, mais en même temps, il faut parler au mois de mars. Parce que la vie est une question de programmation et de déprogrammation. Jésus nous donne la solution pour dire, tout ce qui vous liez, c'est la vie. Tout ce qui vous déliez, c'est la vie. Le mois de mars, l'ennemi a déjà programmé. Frère, que vous ne voulez pas, vous avez des ennemis. Amen. Votre aura, c'est ce qu'on appelle l'étoile. Les gens disent non, papa, c'est chance. Tu ne peux pas entendre ça, il te dit ça. Les gens disent non, le chrétien ne marche pas. Frère, il y a chance. C'est cette chance-là qui fait que l'autre devient meilleur et toi tu es dans le noir. Amen. C'est la chance. Que tu viennes bien comprendre. Parce qu'on vous a donné tout dans l'église, vous comprenez les chances. Chance, c'est en français. C'est pas dans la langue anglaise. Et cette chance-là qui fait que toi, ta vie, oui. Mais pour avoir la chance-là, il y a eu un acte qui a été posé, ou par toi, ou par ta descendant. Si on voit le peuple hébreu béni, ça dépend d'Abraham. C'est ce qu'Abraham a fait qui fait qu'aujourd'hui, tout le peuple hébreu est béni. Et monsieur Célène m'a dit, il fait Facebook, bonjour, likez, ça va,
souvent nous mentionnons sur les gens que ça marche, je devais devenir millionnaire en dollars. Facebook. Ça dépend de sa lumière. Cherchez à voir son histoire. Vous découvrez que c'est juste. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne fait souffrir d'aucun chagrin. C'est elle qui enrichit. Si tu enrichis, la bénédiction de Dieu là, ça se mérite. Là que tu vas poser là, c'est ce qui va faire que tu vas te bénir. Amen. J'ai parlé avec une soeur hier, elle dit, moi, je m'investis dans l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Dieu n'a pas peur de me bénir. Amen. Dieu n'a jamais peur de me bénir. J'ai même mon argent dans son œuvre, mais sans peur. Pourquoi? Parce que la dette de l'homme ne reste pas sur Dieu. Amen. J'ai dit aux gens de Dieu, vous êtes là, j'ai barrière, vous pensez que je suis le meilleur. Parce que j'ai compris. Vous n'achetez pas le temps, moi j'achète le temps. Si la moquette est gâtée, moi j'achète la moquette. Amen. Et je suis béni que vous. Amen. Vous bouffez votre argent de la mairie, il y a un sauce bon goût. Si vous savez, vous connaissez sauce graine. Vous savez, c'est vous qui connaissez sauce graine. Moi, je suis une seule chose. Demandez au milliardaire nigérien. Il dit le secret de recevoir ses données. Amen. Il vous dira ça. Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu s'élèves un matin pour bénir quelqu'un? Non. Non, non, ça se mérite. La seule chose que Dieu va d'abord regarder, comment tu investis dans son œuvre. Amen. Tu investis de bénir. Frère, il ne faut jamais avoir peur d'investir. Dans l'œuvre de Dieu, c'est un investissement, pas un investissement à perte. De tomber aussi, de tomber. Non. L'œuvre de Dieu, ça me concerne. Le jour que Néhémie a entendu que les murailles de Jérusalem étaient mourues, il a pleuré. Il y a des gens qui voient l'œuvre de Dieu, ça ne leur dit rien. Ils sont même insensibles. Ça ne leur dit rien. Comment Dieu va te bénir, mon frère? Comment Dieu va te bénir? Il va te bénir pourquoi? Comment il va te bénir? Nous vivons pour honorer Dieu. Amen. Amen. Et donc la bénédiction, c'est lui. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Alors il va calculer, il va regarder. Il va regarder, qu'est-ce que tu as fait pour lui? C'est en fonction de ça qu'il t'apportera la grâce sur ta vie. C'est pas quand je viens à l'église, non, ça ne m'intéresse pas. Non, non, non. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Il y a des gens qui ne vont jamais. Qui n'ont jamais envoyé, qui n'ont jamais payé les livres, qui n'ont jamais payé les offrandes, et vous voulez que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis-moi. Regardez-vous là. La seule sémérie, c'est la bénédiction. Amen. Tu ne fais pas, Dieu ne te bénit pas. Elle est conditionnelle. Si tu obéis en observant ma parole et en mettant en pratique, voici les bénédictions que je répandrai sur toi. Et je t'ai laissé. Voici ça. Alors Dieu te regardera ça pour te bénir. Vous comprenez? Amen. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Et pas Amen. Peur d'investir dans le nom de Dieu. Amen. Non. Papa. Ça va se répandre sur vous et sur vous. Mais le jour où je jouerai avec l'eau de Dieu, la seule chose à laquelle on ne joue pas, c'est l'eau de Dieu. Lui qui s'amuse avec ça, Dieu te frappe. L'arche de l'Éternel entrait en Jérusalem. Le monsieur est venu, il n'est pas Lévi, il a attrapé l'arche. Dieu l'a mis à terre. Mon frère, tu ne peux pas aider lui dans son œuvre. Il faut être consacré. C'est pour ça que je vous informe déjà avant de toucher le sujet. Tous les responsables, cette semaine, tout à l'heure, on va peut-être 15 minutes. Voilà, je vous ai donc exactement 15 minutes, on va parler. Tous les responsables, ceux qui veulent chanter, celui qui n'est pas baptisé, il ne prend pas le micro. Nous sommes dans le troisième mois de l'année. Celui qui n'est pas baptisé, que je le vois ici, je le chasse. Amen. Je ne vais même pas m'amuser ça. Amen. Si tu as envie de chanter, gloire à Dieu, ça ce sont des envies. Mais c'est une nomination. Ça doit passer par moi. Si je ne te sens pas dedans, je ne te mets pas là. Amen. Le sacré reste le sacré. Amen. Ici là, on appelle ça la chair. C'est vrai que c'est en haut. C'est pas tout le monde qui va voir ici. Ça, je vous dis ça. Dans la maison de Dieu, c'est la maison où il n'y a pas de camarades. C'est un service spirituel. C'est pour ça que moi, je ne vais pas prendre mon oncle pour venir être responsable ici. Non, non, non. Ce n'est pas familial. Ce n'est pas une question de famille, ou même c'est mon camarade. Non. Tu as envie de chanter. Et puis d'ailleurs, ceux qui sont venus, qui veulent chanter, c'est une bonne chose. Hein. Et ça, si vous le sentez, ça, c'est une bonne chose. Mais on va vous faire passer d'abord par écoute.
On va vous écouter. On ne dit pas que vous n'êtes pas bien dans. Je vous ai écouté, vous avez du talent, ça c'est bon. C'est bon. Mais vous avez passé. Je vais vous écouter. Amen. Amen. Et puis, le moment où vous devez rentrer, ça ne dépend pas de vous. Ça va dépendre de cet esprit. Amen. Alors, celui qui ne supporte pas ça, ça veut dire qu'il est venu pour quelque chose. Parce que tu n'es pas venu pour chanter, tu es venu à l'église d'abord. Je suis d'abord chrétien pour être serviteur de Dieu. Amen. Dieu ne m'a pas appelé serviteur de Dieu. Il m'a appelé d'abord chrétien. Amen. Et à partir de ma chrétienté, il a fait de moi son serviteur. Amen. Donc quand vous venez dans cette église, soyez d'abord membre actif de l'église. Amen. Ne cherchez pas de poste. Celui qui va vous veiller sur un poste ici, je vais le chasser. Et ça, vous pouvez compter sur moi pour ça. Parce que je suis garant du spirituel. Amen. Tout ce qui est spirituel est sacré. Je vous le dis, parce que si je ne vous dis pas ça, Dieu sera en conflit avec vous et vous aurez des problèmes. Amen. Donc nous sommes dans le troisième monde, nous sommes en train d'organiser l'église. Ici, ce n'est pas tout le monde. Je sais que je vous ai vu, vous avez du talent, vous chantez dans d'autres églises, ça c'est vrai. Vous voulez adhérer à l'église, mais soyez d'abord membre actif de l'église. On doit d'abord chercher à savoir votre témoignage. Ça c'est important pour nous. Oui, parce que, excusez-moi, je n'aime pas que quelqu'un profite de l'aura d'un serviteur de Dieu, se fait un nom et le détruit après. Ça, je ne peux plus permettre ça ici. Le prophète François est connu. Le prophète François, il est connu. Tu vas venir chanter dans l'église du prophète François, je te fais connaître, et demain ce soir, il t'a délégué contre moi. Ça, je n'accepterai pas ça ici. Amen. Je vais d'abord chercher qui tu es d'abord. Amen. Si je sais qui tu es, ah, je te connais. Je suis le garant de ma vie, la vision. On m'a bien saisi. Amen. C'est pas un jeu. On veut voir Dieu guérir les gens. On veut voir Dieu faire des miracles ici. C'est pas un club d'amis. Je suis désolé. Et c'est comme ça. Chaque responsable, tout baptême, je reviens sur le baptême, c'est par immersion. Si tu n'es pas baptisé, on n'a pas pris comme ça. Baptisé, plongé, sorti. Tu ne peux pas être responsable. Celui qui veut être responsable doit être d'abord baptisé. C'est un engagement que tu prends. Tu ne peux pas dans le service militaire français si tu n'es pas citoyen français. Ça n'existe nulle part. Tu peux dans l'armée de Côte d'Ivoire si tu n'es pas citoyen ivoirien, la nationalité ivoirienne. Non. Si tu veux être responsable, il faut être baptisé. Ce serait que, par la grâce de Dieu, le samedi, nous avons cette cérémonie baptême. Nous avons cérémonie des baptêmes et gloire soit à notre Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ont pris déjà des engagements. Nous sommes une église pentecôtiste. Et l'église pentecôtiste, on n'a pas de coup de baptême qu'on donne aux gens. Je suis désolé. Chez nous, il n'y a pas de coup de base, première année, deuxième année. Ça, c'est rien. Tu te convertis, je regarde ta foi, je suis converti, mais je vais te plonger dans le monde. Amen. Amen. C'est tout. Les petits détails qu'on fait, ça dit, baptisez-les et enseignez-les. Le baptême vient d'abord avant l'enseignement. Vous m'avez compris? Amen. Et ça nous empêche pas aussi de. Ceux qui aussi qui enseignent, ce n'est pas aussi mauvais. Pour vous permettre, je suis chaque 3 mois, il y a les baptêmes, les centres de cérémonie baptême. Alors j'ai discuté avec le pasteur. On aura l'occasion de voir ça. On partage sur le forum. Alors, j'ai deux options. Ou on loue une piscine pour aller se faire baptiser. Parce que déjà l'information que l'ancien m'a amenée. Par rapport à Sergi là-bas, lui, mais quand il parlait, il dit, mais c'est, on a un hiver, c'est très froid, tout ça. Parce qu'on peut même prendre un ballon gonflable à Décathlon, on peut gonfler ça, en plus beau, et puis vous baptiser ici même. Amen. Amen. Donc c'est de tout ça qu'on va parler tout à l'heure, voilà, et tout ça. Et ceux qui veulent baptiser, déjà, faites-vous signaler, ils sont déjà là. Si tu es venu aujourd'hui, que tu sens l'envie de te baptiser, tu peux t'engager en te baptiser. Jamais pas de problème. Pourvu que tu sois membre et que tu demeures chrétien, voilà, dans la maison de Dieu. Si vous vous baptisez, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Une église qui ne pratique pas la Sainte Cène, ce n'est pas bon. Parce que la Sainte Cène, tous les dimanches ou chaque 2 dimanches, ça dépend de l'organisation. Mais le chrétien doit prendre la Sainte Cène, ce qu'on appelle la communion. C'est comme une Sainte Cène, parce que ça va remettre une alliance avec Dieu. Vous annoncez sa mort et sa venue. Et ça, c'est beaucoup très important. Amen. 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 Alors donc, le samedi, on aura un sens de baptême. Baptiser les gens. Ceux qui veulent baptiser, il n'y a pas de problème, se vont plonger dans l'eau. Beaucoup de choses vont changer. Nous, si nous avons une particularité, ce baptême-là,
Après que tu sors de l'eau, on va mettre de l'huile sur toi, briser tout. Avant de rentrer dans l'eau, on va déjà commencer à commander les hôtels sataniques sur ta vie. Parce qu'il y a des hôtels dans ta famille qui parlent contre toi. Amen. Et quand tu vas rentrer dans l'eau, tu laisses tout ça là-bas. Amen. Et quand tu sors de l'eau, tu es consacré comme une nouvelle personne. Amen. Une nouvelle vie commence dans le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc les candidats au baptême, tout à l'heure, on aura l'occasion de se parler par la grâce de Dieu et tout ça. Le samedi, c'est baptême. Le vendredi, on aura l'occasion. Samedi 7. Le vendredi, on aura l'occasion de se voir ici. Voilà, ici à la réunion des responsables. Au culte, parce que c'est qui c'est le groupe Prospérité, non? Oui. Voilà, le groupe Prospérité vendredi. Donc, tous ceux qui sont candidats au baptême, on aura une rencontre avec les responsables. Ça serait la dernière rencontre avec les responsables. Parce que à partir du dimanche prochain, on va essayer de consacrer tous les responsables. Ceux qui ont été consacrés, bien sûr, on va essayer de mettre une action sur votre vie. Alors à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont assis ici sont les responsables. Est-ce qu'on m'écoute bien? Amen. Celui qui n'a pas été nommé responsable, ni consacré, il va venir ici. Et je monte sur la chaîne, je te mets la main. Amen. Tous ceux qui seront ici, désormais, cette chaise, parce qu'on a quatre groupes. La vision de cette année, c'est l'évangélisation. Amen. Donc on a lancé l'évangélisation. Donc chaque groupe, n'est-ce pas, a une semaine pour présider le culte. Alors ceux qui ont la semaine, ce sont ceux qui vont se mettre à ma gauche. Se mettront à ma gauche. Amen. Ici est réservé spécialement aux responsables. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, qu'il reste chez lui à la maison. Amen. Qu'il reste chez lui à la maison. Moi, je ne suis pas venu m'amuser ici en France. Je ne suis pas venu m'amuser ici en France. Je suis venu servir Dieu. Je suis venu protéger l'image de Dieu. Je suis venu protéger tout ce qui est sacré. Alors, tous ceux qui seront assis ici, celui qui n'est pas consacré, alors, je le vois ici, ça, je lui ai déjà dit. Je ne répéterai plus ça jamais. Celui qui va contester ça, c'est une rébellion, j'ai mal ça. Je sais bien faire ça. Je sais bien faire ça. Parce que je préfère que Dieu soit ami à moi qui rentre en conflit. Parce que ce n'est pas à vous que Dieu parle, c'est à moi qui parle. Amen. Est-ce que vous ne savez pas? S'il y a un problème de l'église, c'est moi qui va parler. C'est pas vous. Ce n'est pas vous-même que Dieu va parler. C'est moi qui va parler. Alors Dieu, l'église est une église d'or. Quand on commande doucement, après on met une organisation en place. Voilà, on met une organisation en place. Donc c'est cette organisation. Celui qui n'est pas d'accord, c'est une attaque. Je préfère que tu partes, que tu crées une rébellion. Parce que si tu crées la rébellion, je vais parler au Dieu de mon alliance. Cette église, il y a des choses qu'on peut se répéter ici. Celui qui va se répéter ça, il va se lever un matin chez lui, il va déchirer sa maison, il va devenir fou. Je n'ai plus envie de mener ces gens. Vérité. À cause de la compassion que j'ai dans le cœur. Amen. Mais celui qui va monter le rébellion dans cette église, il saura que le Dieu du prophète Casson existe. Amen. Et ça, vous pouvez mettre au défi. Mettez-moi au défi. C'est ça. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver une fois, mais pas deux fois. Je suis censé protéger l'église de Dieu. Parce que je rendrai compte au Seigneur. Amen. Je ne suis pas venu. Si on est dans cette salle, c'est parce que Dieu m'a parlé un jour. J'ai vu à Lyon. Pourquoi je ne fais pas l'église à Lyon? Pour séparer, j'ai posé beaucoup de questions au Seigneur. Il dit, va-t'en. Je dépense plus quand je viens à Paris. Je suis sûr. Pourquoi je n'ai pas dit non? Je ne suis pas venu m'aventurer à Paris. Ce n'est pas de l'aventure, je suis venu faire. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Je suis censé organiser. Amen. Amen. Alors, l'église de Dieu, je suis appelé à organiser, partir ailleurs, comme ça. Revenir, partir, parce que si elle organise quelqu'un d'autre, on laisse quelqu'un, c'est comme ça. Je ne suis pas éternellement ici. Hein. Je vais arriver à Dingo, je vais partir voyager, c'est comme ça. Mais il faut que je vous forme bien et que l'église soit bien organisée. Voilà, je suis censé bien organiser ça. Et puis, l'œuvre de Dieu continue. Amen. Voilà, amen. Amen. C'est le sacré. Maintenant, on est dans le troisième mois. Tout sera surveillé. Amen. Tout sera sérieux.
tout sera béni, tout sera bon et tout sera dans l'or. Voilà, tout sera organisé. Quelqu'un qu'on n'est pas, il prend le micro. Ah, franchement, je serais désagréable. Amen. Je serais très désagréable. Celui même qui choque, c'est Dieu. Amen. Malheur soit celui qui sert Dieu avec négligence. Malheur pour cette personne. Que Dieu vous aide. Amen. Amen. Nous voulons une église crédible. Une église qui avance dans une vision de Dieu. Amen. Une église où il y a de l'ordre. Quand il y a du désordre, le Saint-Esprit n'a plus sa place. Amen. Non. Mais quand elle est bien organisée, on donne la place au Saint-Esprit de vrai. Amen. Vous pouvez être responsable dans notre église. Quand vous venez ici, vous prenez votre place là-bas. Amen. Votre place, c'est là-bas. Amen. Tant que je ne suis pas convaincu que je t'ai dénommé responsable, tu n'es pas responsable. Amen. C'est pas parce que tu es diacre dans une église que tu vas venir ici pour te faire diacre. Non. La diaconat, c'est une nomination. La paix, c'est divin. C'est la vie de Dieu. Voilà. Ici, c'est une vision. Si tu as été nommé là-bas, quand tu viens ici, il faut rester dans une vision. Amen. Amen. Alors que Dieu bénisse, ça va? Amen. Ça va? Amen. Quels sont ceux qui sont candidats à terre? Alors tout à l'heure, on aura l'occasion de se voir. Amen. Amen. On aura l'occasion de se voir par la grâce de Dieu, parler par la grâce de Dieu pour le baptême et tout ça. Ça va? Amen. On aura l'occasion de se voir tout à l'heure par la grâce de Dieu. On aura l'occasion de s'entretenir. Le vendredi prochain, et que tout le monde va être là, tous les responsables, excusez, faites un effort pour être là, à cette rencontre, pour qu'on puisse parler, sérieusement, parce que désormais, maintenant, chaque mois, il y aura une rencontre des responsables. Chaque mois, on va avoir un entretien avec les responsables. De toute façon, les gens viennent pour s'entretenir, chaque mois, une fois dans le mois, on voit une prière des responsables. Amen. Voilà, c'est-à-dire, le dimanche, on s'est dit, le dimanche, je suis... On ne reçoit pas les gens que les responsables et leurs soucis compris pour eux. Amen. Et ça, c'est très important parce que si vous êtes devant, vous devez aussi être témoignage. Amen. Vous devez témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Il faut que Dieu se manifeste aussi dans votre vie. Amen. On prend aussi le temps de vous écouter, on prend aussi le temps de prier pour vous. Amen. 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 Alors ne manquez pas ce vendredi. Tout à l'heure, on aura une rencontre. Et avant ça, on aura aussi une petite rencontre de peut-être 15 minutes. La secrétaire a déjà annoncé ça sur le forum. Amen. Alors nous sommes en train d'organiser l'église. Amen. Ça va? Amen. Alors donc je reviens sur le mois. Nous sommes déjà au mois de mars. Le mois de mars, vous devez parler au mois de mars et attirer les choses. Ça veut dire déclarer les choses. Pourquoi? Parce que la parole est une sémence. C'est ce que vous semez que vous récoltez. Je déclare que ce mois de mars m'apporte telle chose, j'ai des programmes, tant, c'est comme ça. Au commencement était la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Amen. Amen. C'est tout. Et vous prenez l'intention, vous mettez ça sur votre vie et vous déclarez les paroles. Ce que vous déclarez sur votre vie, c'est ce qui sera fait. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Allez, soyez bénis. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Amen. Amen. Pour le moment, c'est la diaconesse, Madame Tabarro. Et la jeune sœur qui vont animer d'abord, oui, et après ça le groupe d'animation va chanter pour le moment. Pour le moment, voici l'organisation. Voilà, pour le moment, parce qu'on n'a pas trop besoin de ça. Ceux qui ont reçu cette envie de chanter, alors vous pouvez être aussi le vendredi prochain, parce que j'aurai aussi le... Moi je serai là vendredi, j'aurai l'occasion aussi de parler avec vous et tout ça. Ici, franchement, s'il vous plaît, le désordre n'est plus permis. Amen. Non, non, il y a des choses, je ne peux plus permettre ça. Voilà, je ne peux plus permettre parce que quand un enfant atteint le troisième mois, vous changez dans son comportement beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il s'assoit, voilà. Il s'assoit, hein? Donc nous, on va s'asseoir. Amen. Voilà. Amen. On va commencer à marcher. Ah, on va commencer à marcher. Assisez-moi, il fait quoi? À quoi ça? À toucher. À toucher. Hey, chaque fois que Jésus doit se passer, amen. Amen. Il faut qu'on mette en ordre. Amen. Amen. Ici, il y a les appelés. Moi, le prophète, je suis venu fonder l'église. Amen. Mais l'église va se diriger. C'est comme ça l'ordre. Mais il faut que j'organise l'église. Il faut que ça soit bien organisé. Amen. On ne se lève pas comme ça pour venir prendre le micro. Non. Ouh, parole de ça, il est merci toi. Pour te chasser.
Et ayez peur d'ici. Ici, là. Vous voyez, c'est l'hôtel, ça fait peur. Ça fait peur. Ici, quand tu montes ici, ça y est, tu es dans le sacré. Amen. Ici, tu es dans le sacré. Amen. Voilà. Ici, là, c'est le responsable. Voilà. C'est une église. Il faut qu'on mette de l'ordre dans l'église. Il faut que tout soit organisé. Au fur et à mesure, on entend de construire une église du Seigneur plein d'ordre. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous fortifie davantage. Amen. Nous sommes disciples de Jésus. Comme je disais, l'église est disciple. Jésus n'a jamais dit chrétien. Jésus dit nous sommes disciples. Donc la discipline, on doit être discipliné. Chez nous à la maison, la discipline, on doit être discipliné. Même au service, dans nos quotidiens, partout où on passe, pour qu'on sente cette chrétiennité dans notre manière de faire. Même dans notre langage, qu'on sente la chrétiennité dans tout ce qu'on fait. Parce que c'est ce qui est plus important. Nous sommes à l'image de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. On peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît. Amen. Je découvre en vous beaucoup de talents. Amen. Amen. On a passé quand même beaucoup de temps ensemble, beaucoup de choses. J'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont en vous. Je vois beaucoup de gens qui ont du talent. Je sens qu'il y a d'autres personnes qui sont appelées. Je sens beaucoup de choses, mais l'appel, ce n'est pas le prophète qui a soufflé, qui dit tu as appelé. Non, c'est Dieu qui te parle. Amen. Bah, ici, il dit tu as appelé. Tu as dit ah, c'est papa qui a dit je suis appelé. Or, il faut que Dieu te parle pour que tu puisses te dire on va tester ton appel. Amen. Parce que si tu as appelé, il faut que tu apprennes près de quelqu'un. Amen. Oui, il faut que tu te fasses former près de quelqu'un qui t'enseigne comment gérer un ministère. Amen. Ça, c'est vraiment important. Alléluia. Amen. On doit apprendre comment gérer aussi un ministère. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage. Amen. Alors, et c'est important de comprendre aussi que l'église, frère, quand on devient chrétien, ça ne veut pas dire qu'on est chrétien, qu'on doit se comporter comme on veut. Le chrétien doit être dépendant, c'est-à-dire faire ce que Dieu veut. Il dit celui qui veut me suivre, qui renonce à sa propre vie. Vous avez compris? Amen. Et puis c'est chiant de sa croix. J'étais en train de expliquer aux gens que la chrétienté, les gens ont compris, oui c'est vrai. Mais quand on est chrétien, ça veut dire que notre moi ne compte plus. C'est l'intérêt de Jésus qui compte plus. Amen. Qu'est-ce qu'on fait pour lui en semaine? Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Qu'est-ce que tu as envisagé? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Il faut te faire le point. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ça serait trop égoïste de penser, Seigneur, moi, le jour tu feras pour le Seigneur. Il a dit, cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et après Dieu dort. Le seul problème des gens, vous ne pensez qu'à vous. Dieu vous regarde, qu'est-ce que tu fais pour lui? Parce que s'il t'a sauvé par grâce, c'est pour le servir. Sauvé, pour le servir, qu'est-ce que tu fais? Tu viens à l'église, tu n'invites personne. Tu ne cherches même pas à t'intégrer avec le monde de l'église. Tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu par tes offrandes. Tu ne paies pas l'œuvre de Dieu par tes offrandes, par ta vie. Tu es quel chrétien dans cette église? Tu ne participes pas. Tu es quel chrétien? Quelqu'un qui veut vraiment servir Dieu, c'est Dieu lui-même qui le distingue. Tu peux être dans la foule. Et puis Dieu te dit lui-là. Responsabilité. Moi, j'aime pas trop les gens qui aiment se faire voir l'église. Ceux qui servent Dieu, faites attention. Les gens profitent de votre aura pour se faire connaître. Faites attention. Maintenant, l'église est devenue comme politique. Les gens ils vont détruire un père spirituel pour venir dans d'autres églises et ils font des coups d'état dans l'église. Maintenant, c'est devenu comme ça. Le malheur des réseaux sociaux, c'est ça. C'est ce qu'ils utilisent comme arme pour attaquer les gens. Faites attention. C'est ça que moi, je fais maintenant. Oh là là, la persécution m'a beaucoup aidé. Amen. Frère, quand tu persécutes, il y a les bénéfices de la persécution. Amen. Vous savez, quand on persécute quelqu'un, vous l'aidez à se rapprocher des gens. Amen. Que ce soit dans le monde chrétien, que ce soit dans le monde païen, mais celui qu'on persécute, Dieu a compassion de lui. Amen. Il dit quand le malheureux crie, l'éternel entend. On n'a pas lu le chrétien. Il dit non. Quand celui qui est dans le malheur, dans la détresse, crie, l'éternel entend. Ceux qui vous persécutent, vous aidez. Amen. Je ne suis pas dans la politique. Babo l'aurait tellement opposant. Autant de fruits.
Ils l'ont persécuté, l'ont mis en prison. Il est président. Ok. Amen. Ceux qui sont ivoiriens. Amen. On a vu à la Sambatra. Qui pensait qu'à la Sambatra, le président est passé? Il est président de la Côte d'Ivoire. Persécution, la sauté clôture, tout ça. La sauté clôture. Il est président de la Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas être président de la Côte d'Ivoire. Mais soit on a persécuté d'autres personnes. Vous savez, quand vous persécutez les gens, quand tout le monde dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous les insultez? Quand des persécutions, il y a un bienfait dedans. Amen. C'est ça que la Bible dit que heureux serez-vous lorsqu'on vous persécute. Jésus dit, soyez heureux. Moi, j'ai vu la qualité de la femme que Dieu m'a donnée dans la persécution. Amen. Maman, là, j'ai promis sa valeur Amen. Dans la persécution. Amen. Et je l'ai regardé. J'ai dit, toi, tu es la chair de ma chair. Amen. Et mes os. Et mes os. Ici, j'ai vu qui m'aimait et qui était là pour un profit. Que vous voulez ou pas, il y a des gens qui veulent profiter de votre aura. Mais ils ne savent pas comment Dieu vous a construit Amen. Dans la douleur. Amen. Mon Dieu m'a fabriqué dans la broussaille, dans la bouche, dans la bouche où j'ai souffert dans la brousse. Maintenant, moi, le prophète, c'est ça, vous me voyez en flange, à gain des touches. Je suis dans le rêve. Amen. C'est la vérité, je vous dis. Hein. Je disais aux gens, hey, vous les sorciers, ils arrivent, hein, vos poumons ont poussé, non? Je vais casser. Vous allez vous manger trop maintenant. Mais c'est vrai. Amen. Amen. J'ai été formé. Moi, j'ai des jours, j'ai bu de l'eau, je n'ai pas trouvé à manger. Je me suis lavé avec l'eau des marigots. J'ai eu dans ma chambre, je dormis dans la maison où on est en banco, moi j'ai dormi. C'est une transfusion, ton lait, c'est dans l'ordre. Et tu te réveilles le matin, c'est moucheron, la nuit, c'est moustique. Et puis moustique est là-bas, on est sorcier. Ça pique, on est sorcellerie. C'est blanc, noir qui ça pique. Tu dis, mais Seigneur, le ministère dit, Dieu dit, t'es dedans, c'est comme ça, passe. J'ai marché, lui, c'est, tu connais pas où? Le jour où tu vas aller à Soubré, à Grégo, tu vas connaître ces moustiques. C'est là-bas que j'ai touché le pasteur Serge avec moi, c'est là-bas que je l'ai baptisé, ça va se convertir dans cette broussaille. Amen. Donc les gens entendent parler de vous, mais ils ne savent pas. C'est que Dieu a construit, donc depuis un moment, et les gens sont même venus se mettre là. Pour qu'on parle là, c'est le prophète Casso. Même l'aura qui gère aujourd'hui, ça dépend de ce que Dieu a fait dans la vie. Amen. Et vous profitez de ça. Faites attention. Vous avez les ministères, c'est les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Faites attention à ceux qui vous fréquentent. Faites attention à leur vision. Ne nommez pas les gens rapidement. Amen. Amen. C'est là que de vous-même qui avez des enfants qui étaient quelque part.
qui me redonne de l'argent pour mes souterrains. Oui, il y a des gens qui sont là, qui étaient là. Frère, Dieu est merveilleux. Amen. Oui, parce qu'il est vrai. Dieu va les préserver dans les bases. Il va les mettre de côté. Il va observer. Puis Dieu va les utiliser pour vous soutenir. Amen. C'est comme ça. Il y aura toujours des faux et des vrais. Amen. Moi-même, je cherche. On me persécute. Ne vous laissez jamais les menaces là. Il ne faut pas que ça vous. Si on vous insulte, ça aide Dieu à vous positionner. Amen. Amen. Amen, papa. Tout grand homme, on a salué leur nom. Amen. Il n'y a pas quelqu'un, on ne salue pas son nom. Amen. Jésus, en ce moment-là, les gens avaient peur de s'appeler disciples de Jésus. Pierre vient, on dit Pierre, madame, la femme vient. Monsieur, vous êtes une Pierre. Quand je vois vous venir, vous ressemblez à Pierre qui a marché à Jésus. Il dit, madame, vaincue. Madame, tu es sorcière. Tu vas me mettre dans le problème. Tu es sorcière. Oh, c'est lui, Pierre. Mais le nom de Jésus faisait peur. À cause de la persécution. Le gars. Pierre, il dit, non, je ne connais pas. Son nom. Je ne prononce pas son nom. Il était livré dans la cour de poste Pilate. Ils l'ont fouetté. Mais ce n'est pas son nom qui est devenu grand aujourd'hui. Amen. Frère, c'est le jour où on salue ton nom que les gens commencent à se liguer contre toi. Dis-moi Amen. Que dans l'avenir, Dieu va te lever au-dessus de ces Amen. Personnes. Amen. Vous avez peur qu'on salue vos noms. N'a pas salué vos noms. Que Dieu rend son nom propre. Dieu n'a jamais appelé des justes, il a appelé des pécheurs. Amen. Dieu n'a jamais appelé des forts, il a appelé des faibles. Pour les rendre forts. Amen. Quand Dieu parlait à Gédéon, Gédéon dit, mais ma famille a pris pour lui dire oui. C'est toi le choisi. Dieu s'en fout si ta famille est bonne. Il s'en fout si tu viens d'une famille bizarre. Il s'en fout si tu viens d'une famille d'associés. Il s'en fout. Mais Dieu veut rendre ton nom fort, grand. C'est ça que mais vous ne cédez pas aux menaces. Parce que la persécution, c'était un truc injuste qu'on avait acharnement qu'on impose à quelqu'un. Ils vont vous blesser. Mais ayez un esprit tranquille, fort. Moi, plus on me menace, j'ai un moral fort. Car je ne me laisse pas affecter. Parce que frère, ce n'est pas toi qui m'as appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Donc ce que tu dis, ne me dis rien. Il y a un monsieur qui dit encore du ouais, il dit le pasteur, il a tué 15. Il dit, je dois être le 16e. En 2015, je l'ai menacé. Il m'a lancé un défi. Je ne dis pas son nom pour lui, pas faire la publicité. Alors il dit, en 2015, je ne vais pas dépasser 2015. C'est très bien. La vidéo même sur Internet. Mais voici les 2020. On est encore comme moi. Et puis il dit après, moi je ne suis pas ton collègue. Tu as dit que tu allais me tuer, mais voici. C'est pas tout le monde. Les pasteurs, j'ai fermé ça. Je ne suis pas plus les pasteurs qui l'a tué. Il dit le mystique, la Côte d'Ivoire, il parle dans les journaux. Moi, je suis allé parler dans les journaux. Je lui ai dit, j'ai vu une confrontation entre toi et moi. Il m'a insulté. Je te demande, il m'a dit, tu m'attends, tu ne vas pas dépasser 2015. J'ai dit, tu es un plaisantin. Moi, je vais dépasser 2015 jusqu'à fatiguer. Depuis quand tu as vu un sorcier tué. Non, il a tué 15 personnes. Il dit, c'est les plaisantins que tu as tué. C'est pas moi. S'il était sorcier comme lui, il a longtemps m'a tué. Il ment, il parle à la télé, il a tué pasteur. Et puis il fait des saints fiété. Il est fier parce qu'il a tué un pasteur. Il a dit n'importe quoi comme ça. N'importe qui, tu as tué un pasteur. Le jour où tu arrives sur moi, tu vas. J'ai fermé sa bouche. Ça fait 4 ans qu'il m'a lu les actes. Je suis là, hein? Le prophète Crasso. Allez, lui dis. De moi un jour, on va faire le débat théorique. Faut qu'on fasse. J'ai demandé ça à la RTI. Il faut que lui et moi on fasse le débat théorique. Je viens ma Bible. Toi, tu viens ton fétiche. Si tu veux attacher, envoie un magasin de fétiche. Je te fais boire la poussière de la RTI. Amen. Je suis le maréchal de la brigade en ta Amen. Aucun pasteur
personne ne parlait en Côte d'Ivoire. Il ne vient pas dans les journaux. 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 Moi, j'ai attaqué le journal. J'ai dit, écrivez. Ce monsieur-là, je vais parler. Il m'a insulté, insulté. J'ai dit, non, ça c'est un jeu, là, ça vous connaissez ça. Mais il faut qu'on se rende compte. Si j'ai des mots, il m'écrit, il m'écrit. J'ai dit, non, il faut qu'on se rende compte. Toi, qu'est-ce qu'il vous dit? Toi, qu'est-ce qu'il vous dit? Parlez, t'insulter, pasteur. Toi, qu'est-ce qu'il vous insulter, pasteur? Il me dit, 2015, tu ne dépasseras pas 2015. Il dit, oh. Ils vont te trouver comme un menteur. Parce que j'ai dépassé 2015. Amen. La vidéo est sur Internet. Hein? Oui. C'est sur Internet. Après, dis non, celui-là, c'est mon collègue. Je suis ton collègue. Comment tu peux dire le contraire? Tu dis à quelque chose et tu dis je ne le connais pas. Après, j'ai écouté sa vidéo. Hein? Après, tu dis non, je le connais. Il est mon collègue. N'importe quoi. Vous les mystiques, hein? J'arrive encore du voir. Celui qui dit les sorciers, il a depuis bientôt mon année tournée. Que Dieu bénisse.